Salut mes raiders, on est sur Shred 2 pour la série hebdomadaire tous les jeudis à 17h30. On continue cette petite campagne de Shred 2. Rappelez-vous dans l'épisode précédent, si jamais vous l'avez pas vu, je vous mettrai la petite fiche. On en a chié, on a clairement chié. Non, je pense qu'on va attaquer sur UK avec des pistes un peu plus basiques. Donc on va essayer de s'améliorer dessus. Alors fais un temps de pro en 30.5. Ok, donc nous on va juste partir sur du temps de pro, voir un peu si on... Faut juste un vélo rapide, donc on a un vélo rapide, c'est bon. Je pense qu'il faut vraiment tout prendre parfait. Parce qu'un temps de pro, c'est à mon avis, vu comment ils l'ont nommé, ça doit pas être si simple à faire. Faster, faster. Too fast. Too fast. Non, j'appuie trop tard là. Je suis à 22. 27. Ah ! Premier essai s'est passé. Le 30 est passé. Et là, faut juste arriver sur l'arrivée en Faki et place un manual de 50 mètres dans un combo. Ok, ça c'est facile. Il suffit de faire du manual un peu partout. Et ça passe du... dans du combo. Petit Faki. Hop, manual. Manual. Est-ce qu'ils ont au moins il y a 50 mètres pour faire un manual? Oui, là. Je veux bien, mais il n'y a pas 50 mètres de plat. Ah, je pense que c'est passé. Et juste le petit Faki pour arriver à la fin. Voilà, parfait. Parfait! Au moins, ça passe beaucoup plus vite ce niveau que la dernière fois. C'est nickel, on enchaîne. Alors là, on doit faire pareil, temps de dingue. Encore ça, j'aime bien. Faut juste être rapide. Et donc, on va juste être rapide. Après, on verra pour les autres tricks. Je sais pas si c'est. J'essaie les techniques. Genre, envoyer l'impulsion avant pour casser le jump. Ouais, ça a bien cassé là. Ça a bien cassé. J'arrivais bien moins haut. Ouais, ça casse de fou! Je crois que j'ai hacké le jeu, ça y est. Dans les sapins, carrément. Oui, je casse de fou le saut! Nouveau vélo déverrouillé, pareil, on a fait le temps, nickel. Allez, ultra rapide et tout. Vas-y, on le prend. On a un vélo super rapide, on va être encore plus rapide. Oh, puis on a un casque intégral là. Par contre, il est un peu. Il est un peu long le vélo. Il est un peu. Il s'est mis un méga court à mon avis. Il a pris un peu d'angle au niveau de l'avant. Je m'attendais pas à ça. Il a un empattement de fou quoi. Là, on va arriver au saut 3. Tiens, un whip. Ok, donc un whip, c'est... moto whip, c'est là-haut. Ok. Moto whip. Le problème, c'est qu'on passe pas le jump. C'est pas grave. Allez, avance. C'est... Et... j'ai l'impression que ça y est marché. Ah, peut-être parce que je l'ai pas fini le niveau. Il faut faire quoi, là, déjà, là? Tiens une figure. Ok. Voilà, nickel. Et le dernier, c'est juste faire un 360 tie whip. 360 tie whip. Heart attack, suicide, knack knack, one foot, barump. Ah, mais j'ai changé de vidéo, du coup, j'ai plus le tie whip. Oh, je suis deg. Oui, j'avais plus mon tie whip. Attendez, si je reprends lui, par exemple, qui est rapide aussi, qui a un empattement un peu plus normal. Et là, j'ai de nouveau le retour du tie whip. Donc, il fallait bien faire gaffe à son vélo, vous pouvez pas prendre n'importe lequel. C'est pas grave. Du coup, le premier, c'était un whip sur le plat pin bike. Ok. Bon, en faisant l'impulsion avant, je suis passé. Nice. On va peut-être lui mettre pause là. Ça éclate les oreilles. On va mettre pause après. Là, saut de la mort, faut que je tienne une figure. J'ai pas eu l'étoile. C'est pas grave, je sais plus ce qu'il faut faire à la fin. 360 tie whip, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas eu le saut de la mort. Parce que je l'ai pas passé en entier. Oh, that was so
Eh ouais, so good, qu'est-ce que tu crois? Parfait. Et du coup, il nous manque juste forcément le saut de la mort. Parce que j'ai pas sauté assez loin. Donc on rejoue, let's go. Et là, faut tenir une figure. Voilà. Sous la map, carrément. Non, c'est bon. Ah non, c'était pas bon du tout. Elle n'empêche que je lui fais subir à Sam. J'aurais pas été à sa place. Hein. Allez, on appuie pas trop tôt. Voilà, nickel, on va avoir de la vitesse. Sont les cailloux te freinent dans tous les cas, j'ai l'impression. Oui, là on est assez long. Parfait, on a plus qu'à finir le niveau. Ouh, bah finalement, on commence à avoir un peu de mal avec ces niveaux quand même. On commence à galérer, mais ça passe quand même. En tout cas, j'espère que vous aimez cette série sur YouTube. Moi, ça me fait bien plaisir de la faire. Ça me donne un peu de difficulté, ça change un peu des vidéos que je fais d'habitude. C'est vraiment un autre style, donc pourquoi pas vous proposer ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup. Un os manuel sur la première butte. Hop, parfait. Mais ça passe pas derrière, ok. Ça passe ou pas? Non. Toujours la tête, hein. Toujours, moi, je fais toujours la tête en premier. Allez, le petit nose ici, voilà. Là, on peut faire limite l'impulsion. Voilà, en faisant l'impulsion tôt, ça passe. Je sais pas ce qu'il faut faire derrière. Et pas simple du tout, hein, les enchaînements. Pas simple. Faire un 360 à chaque double. Ok, d'accord. Donc, on va partir déjà sur le nose et 360 à chaque double. Mais est-ce que j'ai hacké le jeu? La vitesse que j'ai pris? Mais regardez la vitesse où je vais en faki, c'est fou, dès que je prends un récep. Contrairement à si je prends normal, bah je suis à l'arrêt. Les doubles elles sont pas assez grosses pour qu'ils nous forcent à faire un 3-6 dessus. Elles sont immenses par contre là. Ah, elle est un peu courte la dernière. Mais pas simple du tout aussi ce niveau. Ça commence vraiment à se compliquer. Hein. Mais je pense que c'est prévu pour qu'on casse le jump. C'est pas un hack du jeu que j'ai trouvé. Je pense que c'est prévu pour qu'on lâche l'impulsion tôt et que ça passe beaucoup plus facilement. Je pense que le jeu est prévu pour. Sinon les maps seraient beaucoup trop dures si j'utilise pas cette technique. Non. Non. Imaginez, on va faire ma technique du full nose. Faire tout le niveau en nose, vous allez voir. On va y arriver. Si j'y arrive comme ça, je rigole. Je rigole, franchement. Il est énorme ce double. Oh, je connaissais pas la suite, je sais pas quoi faire. Mais ma technique du nose marche plutôt bien. Ils veulent qu'on fasse un nose au début, moi je fais tout le niveau en nose. J'aime pas la roue arrière. Ah, ça passera pas. Non, faut vraiment que je casse les sauts. Hein. On voyait l'impulsion en bas en fait du saut. Au lieu de l'envoyer en haut. Voilà. Au moins ça c'est validé. Ok, donc en envoyant l'impulsion bien en bas, ça passe partout. Tiens une figure en faki. Ok. Marque 25 000 points et fait un triple backflip au dernier saut. Ok. Là on se met en faki, c'est nickel. Là on tient cette figure. C'est nickel, mais du coup je tiens, mais j'appuie pas sur A et je m'envoie beaucoup trop long. Ça me rappelle un peu BMX Pipe où pareil, faut faire l'impulsion pile au bon moment si tu veux faire un spine, si tu veux faire un double. Ça joue vraiment un genre de choses. C'est vraiment le truc que je trouve un peu dommage. Qu'ils aient fait des boss si techniques à passer. C'est peut-être ce niveau, hein. Bon, c'est moi qui est nul, vous me le direz en commentaire. Là, hop, faki. Et là, je tiens le figure. Voilà. Et plus qu'à finir le niveau.
Moi je freine, on est d'accord, ça a carrément freiné là. Elle a triple backflip. Voilà, et il nous manque les points par contre maintenant. On va y arriver les gens, je vous dis, on va y arriver. On va passer 3 heures sur cette map, mais c'est pas grave, on va y arriver. De toute façon, tu vas jouer dans les méga combos là, dans les... c'est double. Faut juste réussir à être propre quoi. Les 25 000 limites, on peut le faire en un jump, je suis sûr. On va essayer de le faire en un jump, vous allez voir. Là, sur le suivant là. Voilà. En un jump, comme je vous disais. Voilà, nickel! Niveau validé avec 5 étoiles! On passera dans la prochaine vidéo au niveau suivant. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Shred 2 vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et le commentaire. Et on se retrouve très vite pour la suite, pour essayer de faire ces 5 défis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 17h30 pour la suite. C'était MXWay. Ride in peace!